Les deux équipes de 45 joueurs chacune se sont retrouvées au terrain de Fatima avant 9h, heure à laquelle le test match a commencé. Chaque capitaine est à la tête de son équipe, il est vêtu traditionnellement. C'est Alele qui, comme le veulent les règles du jeu, a demandé par courrier cette rencontre. C'est la troisième, les deux premières ayant été remportées par Vailala. Il s'agit ici de vaincre l'adversaire pour représenter la paroisse le 29 juillet lors des rencontres interdistrictes. Il faut une certaine adresse et vaincre sa peur pour être choisi dans l'équipe. Et le choix des responsables se fait en respectant l'hérédité. Quels sont vos pronostics pour cette rencontre? Et depuis quand vous pratiquez le cricket? Qui peut jouer au cricket? Au centre du terrain se trouve la zone de jeu avec à chaque extrémité deux guichets. Il faut aux joueurs une batte et une balle en bois très dure. Il y a le batteur et le gardien et le jeu consiste à remporter la victoire en marquant le plus de courses de batteur d'un guichet à l'autre tandis que la balle est en jeu. Le batteur est éliminé quand le guichet est abattu ou quand la balle est reprise en l'air par un joueur adverse. Yeah,